Les délégués du Centre d'études pour l'action sociale ont poursuivi samedi leur campagne de sensibilisation et d'éveil de conscience sur le vote responsable lors des élections prochaines. À la dernière étape de leur périple, ils ont échangé avec les habitants du quartier Petro-Congo dans la commune de Massina, au menu des discussions, rappeler à ces Congolais l'appropriation de leurs préoccupations et priorités par des personnes à élire pour des solutions aux désiderata de la population de ce coin de la capitale. Pour les sensibilisateurs du CEPAS, il est opportun qu'il y ait un contrat social entre, d'une part, la communauté électrice et, de l'autre, les différents candidats à voter. Au dernier jour de leur périple dans le cadre de la campagne d'éveil des consciences, initiée par le Centre d'études pour l'action sociale, les délégués du CEPAS étaient allés samedi à la rencontre des habitants de la commune de Massina, au quartier Petro-Congo. Ici, tout comme ailleurs, où ces sensibilisateurs du CEPAS étaient passés pour cet échange citoyen axé sur le vote responsable et la prise en compte des désiderata de la population par les dirigeants, les préoccupations de la population congolaise sont presque les mêmes. Touchés par les dires de l'assistance, les délégués du CEPAS plaident pour qu'il y ait un vrai dialogue entre les électeurs et les personnes à élire. Il faut que les autorités prennent en charge cette problématique des chefs des rues et que ce statut soit définitivement établi pour qu'ils puissent travailler comme un segment important de l'État, de l'administration locale et une réponse sécuritaire pour les problématiques de Kolona. Parce que sans les chefs des rues, nous n'avons pas les pieds sur terre pour permettre à l'État de bien fonctionner. Le CEPAS n'entend pas s'arrêter là. Il envisage poursuivre la sensibilisation à travers les organisations de la société civile partenaires pour atteindre toutes les couches sociales de la population à Kinshasa et en province. Avec les différentes couches que nous avons eu à rencontrer sur les différents sites visités et avec leurs différentes préoccupations, nous allons faire en sorte de le faire parvenir aux acquis de droit pour permettre aussi à ces populations de jouir également du développement de leur commune ou encore de leur quartier. Cette tribune populaire, une expression vivement encouragée par les participants. Et à cet échange, ils vont retenir que c'est un échange participatif parce que les images même en témoignent. Il y avait eu l'échange très ouvert avec la population. Et nous croyons que le rapport sera transmis à qui des droits pour que dans le laps de temps, nous aurons aussi des actions à mener pour que ces préoccupations trouvent ainsi des solutions. Les informations ainsi recueillies par les délégués du CEPAS seront utilisées comme outil de travail dans la conception des initiatives visant à influencer les politiques publiques en RDC pour la prise en compte des désirs de la population.